Bienvenue au Maroc pour la 7e édition du Libya Rally, un cross-country rally de 2400 km dans tout le pays, avec très peu de liaisons et avec des étapes qui auraient bien leur place dans le Dakar d'antan, le Dakar africain. Le Libya Rally, c'est un cross-country rally en Maroc. Oui, c'est un peu contradictoire. On sait, bien qu'on ait le rally officiel de Libya, mais vu la situation politique dans ce pays, on a dû ménager. D'abord, on a fait 2 années en Tunisie, et puis depuis 3 ans, on est au Maroc. Et c'est vraiment ici que le rally a grandi. On a commencé avec un rallye purement amateur, un petit groupe de gens, et entre-temps, on est grandi jusqu'au 2e rallye du pays, avec des participants de 15 pays, avec plein de différentes voitures, de Land Rover normal jusqu'au Toyota d'Overdrive, et beaucoup de courses de camions de course aussi. Donc c'est vraiment un événement qui a grandi beaucoup. Mais quand je ressens l'atmosphère ici, c'est pas aussi agité que le Dakar. Oui, commence à me sentir à l'aise ici. Et vous avez eu des problèmes techniques avec le buggy? Est-ce qu'ils ont été résolus? Oui, je crois bien. On avait un petit peu de problème à l'avant et l'arrière, et aussi avec les dynamos. Mais on a ajusté et on va un peu le tester ici. Oui, on a comme écurie, on veut rouler le Dakar en 2017, on est assez jeune comme écurie. Et pour nous, c'est notre première connaissance avec les dunes, donc ouais, on verra. Oui, j'ai beaucoup d'envie pour rouler aussi, mais aussi mon navigateur, on a beaucoup envie. On attend une bataille intense. La compétitivité du plateau a augmenté beaucoup depuis l'année passée. L'année passée, on était 6e, mais on veut plus, bien sûr. Donc avec un plateau plus compétitif et vouloir beaucoup, donc on doit attaquer fortement. Oui, c'est toujours le rallye le plus gay au monde. L'atmosphère est super ici. Il n'y a pas, c'est pas si excité ici. Donc tout le monde cède, c'est très bien. Le plateau est vraiment professionnel maintenant. Il y a quelques grands pilotes, quelques grands voitures. Donc, comme l'année passée, on va commencer calmement et on verra après. Et on commence avec la première étape entre Fès et Boutnib. Étape de 660 km entre Fès et Boutnib avec la seule longue liaison du rallye, que 240 km. Et c'est d'abord les motos et les quads qui commencent, et puis suivent les buggies, les voitures et les camions de course. Comme vous voyez, le décor est fabuleux. Là au Maroc, on passe le plateau de Rekam, quelques pistes très vite, et victoire chez les motos de Myriam Paul.
Et ça fait longtemps que je n'avais plus roulé. C'est la première fois depuis un bout de temps. Oui, ça allait bien. Ce n'était pas fantastique, mais j'étais assez content. Mais comme souvent, ce qui m'arrive, j'arrive au finish et j'ai bien navigué. Et les autres sont perdus et c'est pour ça que je suis en tête. La Toyota du Team Verein, une des écuries presque professionnelles qui sont au départ de ce Libia Rally cette année. Ils ont un peu augmenté la puissance de leur Toyota pour cette édition. Alwin Oates avec son bowler. Et puis Elko Becker qui essaye de bien naviguer et qui terminera 14e dans cette première étape. C'est la Toyota de Elko Becker. Le plus connu des Belges, Jackie Lomans avec son Toyota Overdrive. Vous êtes tevreden? Oui, on est assez content. L'année passée, on n'a pas roulé ici, mais on nous a prévenu qu'il y avait quelques pièges dans le parcours. Naviguer était très difficile aujourd'hui, pas seulement pour nous. Il y en a quelques-uns qui se sont perdus. On a eu une crevaison, pour le reste, ça allait bien. Deuxième place pour Lomans à cette première étape. Peter Ehren avec sa Jeep, mais il n'est pas trop content du comportement de sa voiture. Oui, on a eu quelques problèmes de moteur dans les dunes et on devait arrêter, attendre, redémarrer, presque attendre 2 minutes parfois. Et ça nous est arrivé 50 fois. Et donc voilà ce camp qu'on a rétrogradé beaucoup parce qu'on ne sait pas ce qu'est le problème. Une autre Jeep, celle de Wingens et Reis, qui ont déjà fait quelques Dakar. Passer sur les pistes marocaines, caillouteuses comme vous voyez. Oui, j'ai commencé comme deuxième voiture et j'ai pas encore résultat, mais on n'a pas été dépassé, donc c'était bien pour nous. C'est un peu différent que le Dakar, mais j'aime bien ce rallye ici. Bas van Kamperdijk, le propriétaire de HK Plastics. Normalement, il fait des rallyes normaux et il fait ses débuts en rallye raid avec cette Land Cruiser. Plein de Polaris aussi au départ, comme celle de Thierry Jérôme et Geoffroy Noël de Burlin. Pour moi, le Libia Rally, c'est le meilleur rallye raid en Afrique actuellement parce qu'il n'y a presque pas de liaison. Il y a des belles spéciales, du technique, du rapide, du sable, des cailloux, des montagnes. Il y a de tout, beaucoup de participants, des bonnes équipes. Donc voilà, c'est vraiment, pour un prix tout à fait raisonnable, c'est pour moi le meilleur rallye raid actuellement en Afrique. Vainqueur de la catégorie SSV en 2014, Thierry Jérôme. Jean-Antoine Sabatier avec sa Bugawan et voici Tim Cornell, un des grands stars de ce Libia Rally 2015. Avec sa Maxxis Buggy. Plein de camions de course aussi comme celle de Jack Brouwers. Et tout le monde a sa tâche, le copilote doit naviguer, l'autre fait les choses techniques et moi je conduis. Donc moi je suis au volant et ça va à trois dans une voiture, dans un camion, oui ça va bien. Mais normalement on roule vraiment à trois, hein. Moi, c'est que moi qui est au volant mais les autres me donnent des conseils, il y a le navigateur bien sûr, mais parfois il ajoute des infos. Et voici la nouvelle Renault Dakar Truck de Martin Vandenbrink. L'année passée, il faisait le Libia avec une moto, mais il veut essayer sa nouvelle monture et ça va très bien pour lui. C'était très technique, il y avait quelques pièges aussi. C'était une longue étape pour le premier jour. Je crois qu'on est parti avec 200 km de liaison et puis 370 km contre la montre. Il fallait faire attention. Oui, ça allait bien et on est content. On a quelques détails à améliorer et qu'on va réparer maintenant, mais on a fait le meilleur temps. Chez les motos, donc meilleur temps pour Myriam Polp devant Hackmeister Hopmans et Van Middelaar et Kim de Rijck est premier belge à la 5e position. Et les 4 roues, c'est donc le Renault Truck de Martin Vandenbrink qui a fait le meilleur temps devant Jackie Lomans, Hert Huizink, Alwin Oates et les camions de Noël Esser. Lendemain,
partant pour la deuxième étape entre Boudnip et Merzouga. Aucune liaison aujourd'hui, et c'est un des points forts du Libia Rally, que 240 km contre la montre par les dunes de Merzouga, et un très bon temps pour Kim de Rijker. C'était une très belle étape. Oui, c'était une étape très belle, beaucoup de un peu de dunes à la fin. Mais la navigation n'était pas facile, mais le roadbook était en ordre, donc ça allait. Meilleur temps donc pour Kim de Rijker, mais le Erkjavi, les dunes à la fin, posaient quelques problèmes. Aussi peut-être pour Martin van den Broek qui participe dans l'Adventure Rally Class. Nu jullie rijden mee in de Adventure. Vous participez dans la catégorie Adventures. C'est quoi la différence avec les autres? On fait les étapes, c'est les mêmes étapes avec le même roadbook, mais nous on a encore un GPS dans la voiture qui indique toujours la bonne direction. Donc au moment qu'on se perd dans le roadbook, on a encore un GPS. La fin de la première partie, rendez-vous après la pause. De retour dans le Libia Rally, et cette deuxième étape posait quelques problèmes pour Eelco Becker, qui a fait un grand tonneau avec sa Land Cruiser. Heureusement, il a été aidé, il peut continuer, mais il a perdu beaucoup de temps. Oui, je crois qu'on relayait du 120, et puis il y avait un léger jump dans le parcours. Et je l'ai vu trop tard, et on a été catapulté vers le haut, puis on est atterri sur le nez, et là on continue à aller sur le toit, donc avec un tonneau avec une grande vitesse. Egbert Lingens, 22e dans cette étape avec son Jeep. Toujours sur les pistes marocaines, parfois roulantes, parfois très techniques, comme pour Bas van Kamperdijk qui souffre un peu avec le vent. Bas van Kamperdijk, de tweede. Bas van Kamperdijk, deuxième étape dans des conditions très difficiles. Oui, effectivement, avec ce vent et la poussière qui reste là. Normalement, je fais des rallyes normaux, mais dès qu'il y a du sable et de navigation qui s'implique, c'est difficile. La touche impressionnante de Tunisien, 32e dans cette étape. Tim Coronel qui laisse un peu la pression dans ses pneus pour mieux naviguer dans les dunes. Et la petite buggy Maxxis sentir très bien, comme vous voyez. Le camion de Kundenarty qui n'a pas eu une étape très facile aujourd'hui. Au début, c'était un peu. On allait très bien. Mais à un certain moment, on est dans quelques épingles. Il y avait une Polaris qui bloquait la route. C'était difficile pour la dégager. Mais comme ce virage a été complètement usé, c'était un peu tricky. Oui. Le camion, la Renault, qui menait donc et qui était en tête aussi dans cette étape jusqu'au point contrôle 2 au CP2 où il y a eu un léger problème.
Ja, we lagen goed op koers. Oui, on roulait bien. Mais je crois, juste avant le CP2, la direction a été cassée. Donc on était encore dans les dunes et puis voilà, tu perds beaucoup de temps. Hein. Beaucoup de vent et beaucoup de sable pour cette deuxième étape. Et ça rend difficile toutes les choses qu'on veut faire. Même manger est difficile. Thierry Jérôme. Cinquième aujourd'hui et sixième au général. Et voici la 404 de Mathieu Serradori. On est parti septième ce matin. On a attaqué toute la journée pour revenir un peu devant. Et c'est vrai que... On a fini sur un très beau cordon de dunes et on a fait un peu la différence parce que c'est le terrain de jeu du buggy quoi. Donc on attend les dunes avec impatience pour les jours à venir, mais on est confiant, tout se passe bien, on se régale. Bertuzink avec sa Tatra s'est inscrit aux dernières minutes, mais il gagne cette étape. Au premier arrêt, on était un peu derrière Martin, mais on était dans un bon rythme. Et puis, quand il a eu ses problèmes, on l'a dépassé. Et à la fin, on a fait le meilleur temps. Donc, bonne journée. Bonne journée aussi pour Lomans qui prend la tête au général. Avec ça, Toyota des ateliers Overdrive. Et des problèmes pour d'autres Belges de l'équipe Ferein. Des problèmes avec la direction. Il fallait une pièce qui était encore en Belgique. Et les fils de Pascal Ferein l'ont rapporté en Maroc. C'est un mec, on les appelait, ils sont à minuit, ils sont allés aller chercher la pièce, sont allés à l'aéroport d'Amsterdam, ont acheté un ticket et sont arrivés ce matin à 10h à Marrakech. Et puis ils ont pris la route pendant 9 heures. J'ai pris les pièces dans ma voiture et je suis retourné. Dirk van Driess, le team manager qui est resté et qui sont maintenant dans un demi-heure, ils seront là. Beaucoup de navigation dans ce Libya Rally. On va vous expliquer le système. Tu dois faire tout toi-même. Dans les dunes, tu roules en cap, comme ça s'appelle. Avec le GPS qui indique la direction que tu dois suivre. Mais il n'y a bien sûr pas de point de repère dans les dunes. Donc il faut rouler sur le roadbook. Le classement après la deuxième étape, Myriam Paul toujours en tête, mais elle ne reste plus que 10 secondes de son avance sur Kim Dreyker, Van Middelaar 3e et Newland Terbeek complète le top 5. Dans les 4 roues, c'est Lomans qui est en tête maintenant devant le camion de Herfusing, suivent Serradori, Essers et Alwin Out. Il y a un peu de temps pour la convivialité dans le Libya Rally aussi. Le catering. Bien en ordre, ce qu'il faut bien sûr pour tous les concurrents. Et les équipes qui se reposent avant la troisième étape entre Merzouga et Mamit. Heureusement, beaucoup moins de vent que la veille parce que l'étape commence avec un cordon de dunes de 40 km. Et il y a quelques problèmes pour Kim Dreyker, deuxième au classement, qui perd presque une heure. Ça veut dire que Myriam Paul conforte son avance au général. Et ceci n'est pas un participant, un concurrent du Libya Rally, comme vous voyez.
Martin van den Broek dans le Adventure Rally. Même avec un GPS, la traversée des dunes n'est pas facile. Quelques beaux challenges dans le Libby Rally aussi pour les concurrents de la classe Adventure. Van Kampendijk avec son Land Cruiser. Il y a des difficultés à passer dans les dunes, mais il ne se cale pas, ce qui est très important. Il faut vraiment naviguer sur le cap et essayer de ne pas se planter. Eric Lomans avec son bowler qui se plante au top d'un dune. Odil Alaoum, l'Algérien, qui passe un peu plus facilement mais qui se cale aussi et n'était pas le seul bien sûr. Mathieu Serradori par contre avec son buggy, il passe un peu plus facilement dans les dunes, il perd quand même un peu de temps, il tombe à la 10e place au général. Bonne étape par contre pour Tim Coronel, il a eu quelques soucis la veille. Maintenant, il est remonté à la 16e place au général. Il adore le rap. Die was leuk, ons kindje. Oui, oui, c'était très bien cette étape. Notre bébé roule très bien. Je crois qu'on est un des derniers voitures à prendre le départ, mais on est 5e voiture qui est au finish. Mais que belle dune ici, c'est fabuleux. Oui, je suis un peu surpris parce que dans le Dakar, bien sûr, on a des corps supérieurs aussi, mais ici, c'est très beau. Et comment est la course pour toi maintenant? Oui, je dois avouer, on est bien rentré avant le noir, mais je suis un peu trop excité. J'étais dans le poussière d'un Polaris et j'ai heurté un rocher, donc j'ai dû un peu bricoler parce que l'arrière droite était cassée. Et puis j'ai re-attaqué, mais j'aime bien ce rallye. Et puis d'autres problèmes pour Aart Schoones et son camion, comme vous voyez. Ah, il liep lekker vlot. Oui, ça allait très bien, mais j'ai pris un peu trop de confiance. Je suis en train de tester un nouvel camion et le camion va très bien. Mais j'étais un peu. J'ai fait une erreur. J'aurais dû descendre la dune et je ne l'ai pas fait. Et voilà, je me suis mis sur le côté. Perdu 3 heures Schoones dans l'aventure. D'autres camions font mieux, comme le Renault de Van den Brink, deuxième de l'étape et remonté à la 8e place au général avec cette impressionnante machine. La Polaris de Joris van Castere qui se sent très à l'aise dans les dunes, apparemment 7e au général. Et le Ginaf de Jacques Brouwers qui est une place plus haut au général, 6e. Toujours impressionnant de voir la traversée des dunes d'une camion de course. Herbert Wiggins a une meilleure journée aujourd'hui, bien que ce ne fût pas toujours facile comme vous voyez. Il monte à la 15e place et voici le man de Noël Essers qui se plante aussi. Mais dès que ça roulait, ça allait bien pour Wiggins. Koen Hartig, après ses problèmes de la veille, à nouveau quelques problèmes dans les dunes. Ce n'est pas toujours facile de trouver la bonne route et la bonne place pour traverser ces dunes. Cette fois-ci, elle passe. La 309, la Dodge impressionnante de Henk Teunissen. De pneus assez basse, dès que ça roule très vite. Adrien Paul toujours en tête dans les motos devant de Rijker, toujours deuxième. Suivent les Anglais Newland et Norman et Marcin Kluwer, cinquième. Cathy Lomans toujours en tête chez les quatre roues devant Huzink, Thierry Jérôme, troisième maintenant devant Mike Willems et Alwin Out. Fin de cette partie, à très bientôt.